Premier ministre Ariel Henry n'a pas posé aucune action concrète dans le pays pendant des années. Dans tête pays, il a gouverné, d'après coordonnateur général et méchance patriotique là, René Civil qui dressait un bilan négatif de l'année gouvernance. Occasion pour dirigeant politique là dénoncer communauté internationale là qui dit qu'il y a un programme pour continuer tout pisi population. Habitants qui vivent dans la localité Fomblé, dans Péronde, 5e section Tirivière la Tibonite, dénoncer un groupe gang qui sorti dans 6e section Marchand de Saline, qui fait yon monte yon calvé, Kazek 5e section Tirivière la Tibonite là, Trifon 800 qui mande autorité concernée yo prend responsabilité yo dans dossier ça pour pita papitrice. L'église épiscopale qui impliquée dans dossier trafic zam ak munition victime de yon méchanceté d'après maître Samuel Madistin qui accusé certaines autorités dans appareil judiciaire qui quittait opinion publique la manipulé yo. Maître Samuel Madistin fait déclaration ça dans occasion célébration 110e anniversaire l'école Sainte Trinité vendredi 21 juillet. Yon militant boulé plusieurs journalistes et militants victimes bastonnades en bas de la police. Manifestants recevoir gaz lacrymogène, c'est quelques parmi incidents qui enregistrés dans le mouvement mobilisation contre gouvernement Ariel Henry 20 juillet qui saute passé à là. Dirigeant mouvement 29 mars qui t'a présenté bilan ça annoncé un autre mouvement levé campé 28 juillet qui a vini là toujours dans objectif pour exiger départ premier ministre Ariel Henry. Dirigeant organisation sociopolitique résistance pour Haïti qui regroupait diverses organisations parmi yo Serré gauche Haïti ak Combit organisation politique syndicale ak populaire yo même tout dressé bilan sitting yo te organisé contre gouvernement devant résidence officielle premier ministre Ariel Henry nan yo en pile citoyen victime zak répression la police qui te lancé en pile gaz lacrymogène d'après dénoncer certains autorités nan pouvoir tenant la rue occasion pour t'écraser mouvement peuple. Sous tête, li tombe sous épaule. Mouvement 29 mars qui regroupait diverses organisations politiques, takou Cri National, Challenger Populaire, CRIPEP et La Trier présentaient bilan manifestation 20 juillet contre gouvernement Ariel Henry. Yon militant boulé, plusieurs journalistes et militants victimes bastonnades nommé la police. Manifestants recevoir gaz lacrymogène, c'est quelques parmi incidents qui enregistrés dans le mouvement ça, d'après dirigeant CRI National, Léonard Jeannot. Eh bien, qui mande population à continuer à mobiliser jusqu'à ce que Ariel Henry quitte le pays à entendre-il. Félicite toute organisation qui est dans le pays, tout haïtien, forme de garçon, et tout le monde d'accord, les Ariel là, c'est pour la première fois. Yo wè tout moun sa yo campé dans la rue après gaz pour Ariel son criminel pouye transition ça on voulait renouveler pas d'arrêt nous cliquer la félicité tout journaliste parce que si pas de journaliste je dis à la paix difficile pour que nous demandons trois fois pour nous militants scellés comment criminel nous dépiler Daniel un journaliste qui toujours présent dans toute activité yo comment de ces criminels, particulièrement Pierre Richard, avec Mouench, directeur général de l'Audit National, et qui servit, comme nous connaissons tout le gouvernement, tout le pouvoir, toujours un chimère, toujours un chimère qui est utilisé, et des directeurs généraux, ça y est, nous avons retiré chemise directeur général là, nous avons des chemises chimères, nous avons pas de monde dans la manifestation de hier. Donc, pour hier, c'était une journée qui était vraiment montré que le peuple haïtien est réveillé. Le peuple haïtien n'est pas zombifié, j'en prie le monde nous dit. Hier, nous tenons la rue pour que nous disions que le peuple haïtien est destin, c'est dans le même. Et sans nous pas oublier, Ronald, que nous connaissons depuis 2019, Ronald est toujours servi comme chimère pouvoir, qui est un policier, qui a battu militants, qui a tué militants, depuis 2019. Et hier,
dans le grand étonnement, nous voyons Ronald, et c'est lui-même qui est dans le groupe policier. Nous demandons est-ce que M. Saïd est policier, oui. Parce que nous connaissons, lorsque Ariel est monté dans le pouvoir, il y a un pile bandit, il y a intégré dans la police là, et bandit Saïd, c'est eux-mêmes qui ont tué pour Ariel. Ronald, qui s'appelle Haïtien Féon, qui m'a prêté tout le peuple haïtien pour ça. Depuis 2017, tout le monde connaît que c'est un criminel qui a tué. Donc, dans le terme de bilan que nous parlons, nous disons qu'il y a un militant qui est brûlé, il y a un journaliste qui est battu, un journaliste qui est battu, qui nous est dit non Daniel, et il y a un pile de journalistes qui est victime, et il y a un pile militant qui est victime hier. Et grand matin, nous connaissons des grands groupes de monde qui sont rassemblés devant Primati. Et l'équipe criminelle qui est policière, nous avons déjà massacré les gens, ils ont eu le gaz, ils ont tiré sur eux-mêmes. Donc, une autre fois encore, hier, le mouvement 29 mars a déclaré mobilisation manche longue, 50 PA, a commencé. Et mon petit poivre, qui même tout qui campe, qui dit la vie chère, pas d'accord. Mon, yo dit pas d'accord pour Ariel renouveler tête vie. Mon okayo, yo tire sur yo. Yo batio nous connaît. Nous connaît qu'il y a un commissaire gouvernement qui est le Ronald Richemont. Ronald, à peine vous connaissez son criminel ou yena okay. Ou tire journaliste okay. Okay, Ronald. Mobilisation en reprendre pour la plus belle. Parce que nous ne pouvons pas tolérer Ariel à continuer à tuer les gens dans le pays. Peuple haïtien, laissez-nous dans les mains liées. Mouvement, 29 mars, je dis à tout le monde, c'est nous-mêmes, comme opposition, qui campons nous dit Ariel, mais quoi maman, mais quoi papa. Nous ne pouvons pas parler de Ariel sans nous parler de. Secteur démocratique là, nous connaissons Pierre Richard qui va réunir Joseph, c'est un membre PHTK lié, c'est un membre SDP lié. Nous pas oublier Wesh, directeur général de l'Autorité nationale qui marie Lydia Alexandre, c'est un membre SDP lié. Mon fusion, toute l'autre équipe criminelle qui fait agir avec PHTK, je dis à nous penser, nous ne pouvons pas empêcher de manifester pour Ariel. Donc, je dis à des gens qui n'ont pas besoin de 10 000 gouttes, 15 000 gouttes dans l'équipe criminelle, ils ont même une conviction, ils ont besoin de Haïti changer. Organisation sociopolitique résistance pour Haïti qui regroupait diverses organisations parmi eux Serré Gauche Haïti ak Combit organisation politique syndicale ak populaire présente tout bilan sitting yote organisé devant résistance officielle premier ministre Ariel Henry dans occasion de l'année gouvernance premier ministre là. En pile citoyen victime zak répression la police qui t'est lancé en pile gaz lacrymogène d'après Patrice Célestin membre résistance pour Haïti qui t'est tout profité dénoncer certaines autorités dans pouvoir qui t'est dans la ria pour t'écraser mouvement peuple là. Patrice Célestin t'est parlé dans micro tax 500 bilan de yon journée terreur yon journée côté qui t'est commencé avec en pile gaz lacrymogène en pile coup de bâton en pile balle caoutchouc en pile balle réel. Depuis 8 heures, bon c'est pas une nouvelle ma baille, la police a été présente, ouais, depuis 8 heures et demie, tous militants, toute organisation de base, yo, nous sommes contents de prendre responsabilité, nous sommes tous des pieds militaires, nous sommes contents d'établir nous devant papa de caille officiel et PM de facto. Eh bien, après nous sortir dans un régime féroce du Valérisme en 86, tout le monde dépensait. Là, nous devons entrer dans la période, dans l'ère démocratique là, parce qu'à partir de 1995, la police là devait prendre naissance. Côté peuple là, chanté, craser la meilleure, balle force police là. Et bien, je dis à nous demander, est-ce que c'est police là nous demandé là? Y a la police, malgré une ensemble organisation qui prend défendre même policier ça, parce qu'il y a des problèmes caille, il y a des problèmes manger, même gens avec, il y a des problèmes insécurité parce qu'il y a plus
policiers qui mourent tout le monde, eh bien nous sommes étonnés pour nous ces policiers, malgré nous notifier la police selon le vœu de la Constitution, papier notification, nous nommons nous. Nous disons policiers, mais nous notifier la police, et bien nous disons, c'est notre marinade, si nous ne pas déplacer, nous allons bombarder nous à gaz. Et nous disons, c'est jouette, mais c'est l'un des policiers qui a dit, mes gaz sont derrière nous, mes coups de bâton, mes balles caoutchouc, mes balles réelles. Et quand je m'a parlé là, je pense que nous devons faire tout recensement de journée. Parce que bonne rara qui est avec nous, il y a une équipe qui prend coup de bonbon gaz acrymogène, il y a un pied cassé pendant qu'il a couru. Tout c'est sous dos la police. Et là, nous parlons de la police, nous indexer au état-major la police là, à savoir France LB, je dis à la qui sortit griffli. Parce que soupçon que tu dit, France LB, c'est un bandit. France LB, c'est un bandit, non trois, parce que l'elle te quoi des bouquets. Je dis à Michel, dis, mais qui est-ce réellement? Mais n'a dit France LB, pas oublier, Haïti s'est glissé. Ou bien l'histoire juge ou. Parce que je dis à la ou casse pieds. Ou baye balle ou escopie un pile jeune garçon qui t'a goumé pour rêve pour ça changer. N'a pas indiqué tout. Vladimir Chérubin, ensemble avec Ronald Cédrose, respectivement, responsable Simo avec Idmo. C'est eux-mêmes qui t'a boamé, qui t'a lancé le gaz. N'a dit, monsieur Jayo, nous prenons le vote pour vous. Ensemble, organisation qui t'a déterminé pour journée, nous prenons le vote plainte pour la police, nous prenons le vote plainte pour France Albert, nous prenons le vote plainte pour Vladimir Chérubin, nous prenons le vote plainte pour Ronald Cédrose. Deuxièmement, plus gros gif qui passe dans la journée encore, c'est les nous, l'État pays nous, des hommes qui au plus haut niveau de l'État, à savoir le directeur de l'Autri nationale, le directeur de la dignité. Pour nous, ouais, monsieur, ça y est. Yo débarqué en personne, yo pas voyé moun. Wesh t'es là, Pierre Richard est là. Yo débarqué et c'est parce que ça m'a dit m'a la presse a justifié pour moi. Yo débarqué avec environ 50 nèg à cagoule. Et là comprendre nèg a vini sous tes clés ou tes droites, ou pas que nous a cagoulé. 50 nèg touje ça pour ouais, bon côté yo gonflé. Yo devini pour venir massacrer nous mêmes militaires. C'est sous base ça n'a fini pour nous dire. Bataille qui lancé hier. C'est un commencement. Je dis à la pense, résistance pour Haïti, quitte gauche pour Haïti, quitte prisonnier politique qui sont à la même là, nous pas capable de perspective. Sauf nous faire bilan de journée, hein, de ensemble militants, nous gagnons, je dis à qui déjà l'hôpital, gagnons Clacayo, à cause agissement la police là qui paye grâce à crimogène d'une façon à outrance, coup de bâton la police, mais je dis à la nous prenons le porter pour tout négo et nous demandons, pour nous finir, toute organisation, qui justifie, qui a nécessité Ariel Henry, Pirette que Matéli, Ariel Henry, Pirette que Jovenel, parce que Ariel Henry, son Java, ou pas faire un Yavel. Et pour qu'on Java nous partit encore, c'est couper. C'est à l'hôpital pour le décapiter, pour le retirer bout de ça, sinon on va mourir. Mais je dis là, si nous dégoumons contre Matéli, si nous dégoumons contre Jovenel, à plus forte raison, je dis là, chaque monde doit convertir en 5, en 10 pour nous abattre Ariel Henry qui sont censés. Mais parce que dans le week-end, là, pour aller rencontre pour nous mettre perspective pour l'autre semaine. Toute organisation de base, tout le monde qui veut entrer dans la bataille, ni nouvelle tête, nous allons chiter pendant le week-end, nous allons la presse pour convoquer l'autre semaine pour nous connaître qui l'autre à lui, nous allons mener la bataille. Guerre Wilfried, sous Bopal, un membre résistance pour Haïti, dit le constate qu'il y a 2971 personnes qui mourent, 2115 cas kidnapping, avec 17 massacres qui fait pendant 24 mois, Premier ministre Ariel Henry dans tête pays, dirigeant gauche Haïti, critiqué pouvoir en place là, qui pas posé aucune action concrète pour résoudre différentes crises qu'a traversé pays. Au contraire, c'est plus criminalité qu'a fait d'après Wilfried Michel qui encourage la population pour continuer à lever campé contre le gouvernement Ariel Henry en nous tendant. Nous constatons après 24 mois de Ariel Henry dans tête primature là, dans tête pays a déconcé avec acolyte Lio. Nous constatons que Ariel Henry tué plus passé 2971 monde déjà. Ariel Henry kidnappé plus passé 2115 moun déjà. Ariel Henry fait 17 massacres dans le pays. Nèg sa yo, yo tout simplement déplacé madame et petit yo. Il a mis dans l'autre pays, yo continue à vandaliser caisse d'état, il a gangsterisé pays ya, puis capable détruire population haïtienne. Ça que matin nous même dans gauche Haïti, déconseil avec organisation qui était présent dans la rue hier. Nous dit mobilisation elle commencer. Nous mandé pays à lever campé parce que Ariel Henry pas de mandat. Ariel Henry pas élu dans l'élection. Ariel Henry pas capable tuer monde comme ça dans le pays.
Donc, si nous avons l'âge Ariel Henry, plus l'âge Madame Maniga, plus l'âge Rosemon Bradel, plus l'âge Tigam Kapibi Souli dans le ministère de la Santé publique là, en bas à la Seine, il y a 326 années. Ça veut dire que son équipe de l'épée qui choisit pour la population haïtienne, là, il a détruit la vie nous, il a détruit le ghetto, il a continué à faire des dans tout le ghetto. Pendant qu'il a fait des dans le ghetto, il a déplacé Madame Payou et Petit Payou déjà. Donc, par conséquent, maintenant nous dit, bilan hier, oui, nous d'accord que la mobilisation est réussie à plus que 80%. Parce que c'est un test que nous avons fait. Pour nous regarder, est-ce que la population a dormi? Est-ce que vous êtes d'accord Ariel Henry a dirigé nous comme ça? Comment tu as fait comprendre, monsieur? Un pays a dirigé, tout pays descend de gaz à travers le monde. Ariel Henry a monté gaz à plus que 58%. Je veux dire, gaz à descendre, il a tiré 10 piastres. Il n'est pas prendre pour rien. Mais c'est pour nous pour fatra. Mais c'est pas prendre pour rien. Mais c'est constaté. La population n'a pas dit rien, ils continuent à tout viser nous. Pendant que nous avons des quartiers populaires, nous avons monté gaz, nous n'avons pas acheté gaz. Nous n'avons pas de pays d'Haïti. Pendant que nous avons des quartiers populaires, pour permettre que tout marché écrasé, nous avons pire que l'État, puis nous avons rempli les de madame, et petit jo, manger dans notre pays. Pendant que nous avons fait nous-mêmes, nous dans le pays d'Haïti. Nous n'avons pas l'église, nous n'avons pas de madame, par eux-mêmes, il y a une garçon pire fait dans notre pays. Ça veut nous constater, nous avons des pillagers, c'est des vandalistes, c'est des gens qui ont détruit Haïti. Je veux dire, comment tu as fait comprendre? Fusion! Fusion! Unité! Nexayo, il était crasé pièce Jovenel pour 15 pièces. Je veux dire, Ariel mettait plus que 158%. Je veux dire, Liban, parce que je ne suis pas d'accord que nous ne sommes pas rien dans le pays. Et bien, je veux dire, mobilisation a commencé. À partir de jeudi, nous allons convoquer la population à quelques jours pour nous mettre Ariel en déroute, parce qu'Ariel fait un coup d'État avec mon fusion. Je veux dire, comment tu as fait comprendre? Depuis 2021. Ou Rosemon Bradel a décaissé comme dans la tête du ministère de la Santé publique. Dis-moi qu'il y a nous tout bouché dans Port-au-Prince. Je dis à ce que tu as pour une machine pour passer Cafoudou à bon repos, pas encore de passer. Ou route internationale à la route aéroport, pas encore de passer. Si tu ne fais pas le Port-au-Prince, ville pour me, c'est plus mal. Tandis que chaque jour, chaque mois, l'argent a décaissé avec des fausses réquisitions. Si tu as un monde dans le ministère de la Santé publique, dis-moi l'hôpital nous qu'on en Haïti, nous avons porté des médicaments, nous avons porté des toiles gaz. Ça, c'est des criminalités. Ça que nous demandons à la population de lever, camper, pour nous retirer Ariel, pour nous mettre le monde dans le coup de cassation, qui vous préside au pays, pour nous mettre au premier ministre, avec consensus, tout parti politique, toute organisation, dans deux ans, pour nous remédier le pays à l'ordre, pour nous faire élection, pour nous mettre un gouvernement élu démocratiquement pour le pays d'Haïti. Dirigeant organisation CRIPEP, membre mouvement 29 mars, dénoncé international là qui instauré un régime dictatorial en dedans pays avec Premier ministre Ariel Henry. À qui démocratique yo pap kapè di d'après Josué Sterville, qui mande population continuer lever campé pour défendre droit yo. Entendez-le dans micro tak 509. Moun qui te dit peuple haïtien t'a dormi yo. Je dis à yo au réveillé. Moun qui te dit moun ti boive pas lever campé encore et que moun o ka y a campé gardé, mais je dis à moun o ka continuer à manifester dans la rue même j'a ti boive. Son façon pour nous dire c'est parole qui parle tout côté à qui cause chaque haïtien prend conscience de lever campé parce que nous nous bouquet. Je dis après deux ans, il n'y a pas qu'à continuer à quitter un bénéficiaire, je ne sais pas qu'on est bénéficiaire Ariel Henry, ensemble avec l'équipe qui a déstabilisé le pays, détruit le peuple haïtien, pour nous prendre l'autre deux ans encore. Nous constatons. Je dis, c'est tout côté parole ça a parlé. Belgique, Haïti a manifesté le droit après deux ans, Ariel Henry va arriver là. Canada, Haïti a manifesté, il dit, Ariel Henry va arriver là. Mais je dis, les États-Unis ont manifesté pour le dire, après 24 mois d'effondrement, 24 mois de kidnapping, 24 mois depuis Ariel Henry a parlé d'élection, de sécurité, on n'est pas réalisé par carré là. Et si vous avez beaucoup de pieds au cap là, journaliste, nous, on c'est même parole ça, nous sommes capables de parler. Dans le moment où on parle là, si vous avez même parole ça, il y a parlé, qui veut dire peuple là, tout, les bouquets.
Li bouke avec international la cap supporté ingérence, mauvaise gouvernance, cap supporté insécurité, cap supporté moun ki pa vle faire élection dans pays a, cap supporté yo menteur, yo moun ki incapable dans tête pays a. Nous comptons, nous peuple haïtien comprendre que international la plus jodi a accompagner ou bien faire complot avec moun cap piétiner les constitutions. International la plus sorti la l'aise pour rejeter ça qui est dans la constitution. Exemple, nous connaissons article 149 là qui ça dit. Nous, international là, comme vous, les États-Unis, Canada, la France, je ne vais pas parler de constitution encore. Mais sous Jovenel, je te conduis, constitution met Jovenel là pour 2 ans et pour 5 ans, lié nul à l'élection, mais je dis à parole ça, pas qu'à parler encore, je simplement dis, il y a supporté Ariel Henry. Peuple haïtien nous là, pour nous montrer, ça qu'a fait là, qui complot, qui sous dos nous. Pour nous montrer, les Ariel Henry retire 10 gouttes sous gaz là, c'est parce que patron yo blanc dit retire 10 gouttes parce que peuple haïtien pour mourir assez. C'est pas nous-mêmes qui te mettez 49 gouttes sous gaz là, l'élevé 201 gouttes. C'est pas nous-mêmes, l'élevé nous mettez 250 gouttes qui mettez 320 gouttes sous lui. C'était Ariel Henry, avec SDP, Fijio, Soel Jassé, Rosemila, Rika Pierre, André Michel, c'est eux qui te mettez 570 gouttes sous gaz là. Et bien ici, et yon pas mette à volonté yon simplement, yon mélange avec pression blanc pour yon tout finou, pour yon tout pisi ou pour pas exister. C'est ça que fait, n'appelons son appel by tout peuple qui n'a quartier populaire. Pour nous dire, nous voyons la vie commencer à reprendre vraiment en tant que quartier populaire. Mais si la vie commence à reprendre, dans la saline, si Nèg Belè commence à descendre dans Delma 2 pour le vieux championnat, si Nèg qui sorti dans Boston a passé Belè Koussa, yo à l'aise, eh bien, je dis, il faut que le peuple a sorti manifester tout pour la défendre droit, pour porter sa gueule comme revendication dans la rue. N'a traversé dans le département la Tibonite, habitants qui vivent dans la localité Fomblé. Dans Péronde, 5e section Tirivière la Tibonite dénonce yon groupe gang qui sorti dans 6e section Marchand des Salines, kap fè yo monte yon calvé. Kazek 5e section Tirivière la Tibonite, Trifon 800, fait konnen situation dépassé à cause gros âme qui nan men bandi yo. Kazek la mande pour autorité nan pi au niveau l'état penché sous ka commune Tirivière la Tibonite qui pagé présence la police depuis plus passé 5 mois. Désir Venesse depuis Tirivière la Tibonite a dit nous plus. Bandi ak zam kap opéré dans département la Tibonite la de jour en jour ap senti yo plus confortable pou kounye a yo kite plein nan yo pran route moun yo pou yo nan 5e section Péroudin nan localité Fomblé habitant yo leve voir ou bien go pou dénoncer ensemble zak yon groupe bandi ap fè nan zone nan selon population an, réseau gang sa asoti nan 6e section Marchand des Salines altabli quartier général yo nan 5e section Tirivière la Tibonite nan bon karo ensemble habitant yo fè kwè si pa gen disposition ki prend la vie yo fini net fois ça pour qualité problème que yo gagnen yo pas même ka déplacer les pou yo vinn nan bouk Tirivière la Tibonite yo obligé parcourir plus passer 12 temps ap marcher à pied à cause pa gen route pour machine circuler dans monde nan les gen problème santé c'est sous branca que yo pote yo mais koukounyea gang ap vinn tabli quartier général habitant ou dénoncé Dieu d'amour yo fait quoi qui remplacer ou gantineg qui était dans tête gang ça koukounyea kap fè kidnapping viol accès Zikay et ses étés yo kon travail. Kazek 5e section Tirivière la Tibonite la Trifon Lucien fait quoi li dépassé par événement ça à cause bandi yo gen gros zam nan men li attirer attention autorité qui nan pire au niveau yo pour penser à situation Tirivière la Tibonite pour faire la police ak la justice retourner vin bay service nan communauté a pour éviter pitapitris les bandi yo prend mon pou yo la vin pi difficile
pour la police mener bon genre opération contre eux pour déjà commencer envahir plusieurs localités dans 5e à 6e section Tirivière la Tibonite ensemble moun ki victime yo tant kou bazlè pendant semaine nan c'est bon piel ki sauvé l pendant le té nan jardin bandi yo té lagué derrière pour té kidnapper c'est courir courir mais ça pas empêché tellement bandi yo à l'aise y a la caille madame bazlè yo kidnapper yo mandé $100,000 dans négociation yo té bail $9,000 sur place et au prend rendez-vous dimanche k'ap vini là pour bail rescob là bandi yo fait quoi si famille pas bail rescob ki rete a yo pap ka rete nan zone nan ou bien yo touye yo situation la pirèz total blayi nan 5e ak 6e section Tirivière la Tibonite a cause absence autorité yo désir venès Tirivière la Tibonite cité Crète à Pierrot tak 509 toujours dans ça qui gen awe ensemble avec dossier insécurité merci Venès maître Samuel Madistin exprimé tristesse li par rapport à certains dirigeants l'église épiscopale qui dans prison dans dossier trafic zam ak munition l'église épiscopale victime de méchanceté d'après homme de loi qui accusé certaines autorités dans appareil judiciaire qui quittait opinion publique manipulé maître Samuel Madistin fait déclaration ça dans occasion célébration 110e anniversaire l'école Sainte Trinité vendredi 21 juillet, maître Samuel Madistin, en outandil. Malgré l'importance de l'Église épiscopale d'Haïti et de ses institutions diocésaines dans le développement socio-économique d'Haïti, le nom de l'Église épiscopale d'Haïti a été à tort ces derniers mois, traîné injustement dans la boue. Que de méchancetés ont été commises. L'intolérance, la passion aveugle, l'émotion ont pris le pas pendant un certain temps, heureusement, sur la raison. Le sens critique ou même le gros bon sens. J'ai dû avec courage dans ces moments difficiles, mettre mon immense prestige au service de l'Église, au service de la vérité, au service du droit et de la justice. Cela me fait penser au fameux J'accuse d'Émile Zola, cet écrivain français, devant l'iniquité d'une décision judiciaire injuste. Une grossière erreur judiciaire dans l'affaire du capitaine Alfred Dreyfus, publia le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore, fondé par Clémenceau, une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, dont le titre provocateur est J'accuse, pour, à contre-courant, rétablir la vérité dans une affaire où l'opinion publique a été manipulée. À la côté, gardez-vous les bleus fermés. Y a défend droit moun, l'a défend trafiquant zamakbal à la traque nan pays ça. Autorité dominicaine pas suspend violer droit compatriotes haïtiens yo k'ap viv en République dominicaine. Nan yon visite tak 509 réalisé sous frontière Waname Dabong, vendredi 21 juillet, plusieurs citoyens déportés expliqué péripéties yo passé en bas mes soldats dominicains nan moment yo a déporté yo. Kek nan yo tenan micro à caméra correspondant nous dans Nord-Est pays à Cheno Rosny depuis Nord-Est. Non pas moi c'est Maurice Jocelyn et bon ça qui trouve directement dans frontière Wanamet là et côté que moi j'étais en République Dominicaine moi j'ai 4 mois de cela depuis que moi en République Dominicaine le jour que j'étais monté en République Dominicaine moi j'étais allé légal moi j'ai mettais un passeport moi mettais visa tout bagaille et puis moi monté et pendant que moi dans route moi pour le travail à Babalo et sur Ponta Cana monsieur yo croisé moi yo dit pour me bailler au passeport là on bailler au passeport moi j'ai passeport et yo joine que passeport à jour
tout. Et visa à tout, li à jour. Mais seulement, li te seulement gagné et y a un petit problème check. Et que m'pat get en checké pendant mois prochain. Et bien, monsieur, yote juste ouais que ça li pas normal. Yote juste prendre, mette minute dans bois, yote arrêté, yote fait monter machine. Nan. Et puis, l'aime dérivé, yal mette mon côté qui est le Aïna. L'aime dérivé là, yote fait passer un espace de 3 jours. Et 3 jours, mais c'est 3 jours de mature. C'est manger, yote ba nou. Manger que m'te capable même présenter devant poule. Et bien, c'est lui même que yote ba nou. Bon, et dormir nous pas facile. Nous te dormir dans du, c'est ciment à terre, fait là, dormi. Et côté nous manger, nous dormir, ça y est les bagnons en espagnol, qui c'est toilette là, qui n'est pas confortable du tout, nous n'avons pas de possibilité pour faire ça. Et en tant qu'Haïtien, nous te traiter un petit gens mal parce que nous n'avons pas de cabin, pas de assez suffisamment de l'eau, espace là pas de propre, pas de savon. Nous hésitons nous parce que nous voyons comment la situation a déroulé, nous voyons sur l'échelle internationale, comment la diplomatie n'est pas respectée, comment pas bon ici, nous traiter Haïtien et le gouvernement nous, très souvent, ça indigne nous. Et dans notre bon, nous ne pouvons pas nous mentir, et journalistes écrits et télévisés, ça yo, nous pas gagné assez de bouche pour nous parler, nous ne pouvons pas exprimer ça. Yo, et même les vins là, m'a parlé de lui-même, mais c'est avec un pile regret pour les gens que nous traitons en tant que Haïtiens en République Dominicaine. Et c'est ce que nous ne pouvons pas croire seulement si en République Dominicaine. Donc, ça passe. Ça qui n'est pas indignant, c'est que effectivement nous avons gagné un passeport qui a un visa qui a expiré le 29 mars 2024. Donc, visa expiré 29 mars 2024. Malgré ça, ils sont dans la rue seulement parce qu'on pas checké au vol tourné. Est-ce qu'on pas estimé que ça c'est un abus, une violation de droit qu'il y a? Mon cher, à chaque fois que je passe sur plusieurs points, je me dis bon, ça c'est un abus, ça c'est une violation de droit. Parce que ça que je me dis, c'est une violation de droit. Ou bien est-ce que c'est une loi qui existe seulement pour Haïtiens qui pas checker dans la République Dominicaine pour déporter dans ça? Parce que dans ça, côté de je ne pas apprendre qu'il y a une autre nation là-dedans. C'est seulement Haïtien. Et même machine qui vient avec nous en tout, même machine qui a un emblème Haïti là-dedans. Ça veut dire que c'est un bagage qui existe seulement pour Haïti. Je pense que est-ce que son loi, notamment des qui font ça, et que vous prenez des décisions contre nous-mêmes, moi-même, jusque là, je ne sais pas. Mais ça, moi, ce n'est pas normal pour moi-même, ce n'est pas quoi normal tout pour nous-mêmes, citoyens, qui a fait travail ça. Vous avez l'hôpital, vous prenez la rue. Donc, wow. Donc, où c'est mon qui département? Est-ce que tu as un traitement spécial pour vous, puisque nous gardons les masques? Ou vos ventes, comment vous êtes, comme si vous concevez dans la machine, dans la prison, côté où vous mettez nous, est-ce que vous avez un traitement spécial parce que vous êtes dans la machine? Non, machine. Oui, mais comment vous traitez? Est-ce que vous traitez bien? Ah, ou même? Vous traitez nous bien. Donc, et pour dormir, vous êtes dans la prison? La problématique est l'accroissement incontrôlé des taxis moto en Haïti. Enjeu et perspective, c'est sous thème ça, compagnie Assurance Zepol Haïti organisé une conférence débat vendredi 21 juillet. C'est depuis après l'année 2010, phénomène moto a augmenté dans le pays qui provoquait plus accidents d'après directeur exécutif Stop Accident, Dr. Garnel Michel, qui dit ces problèmes chômage qui mettait majorité jeunes dans le pays à faire trafic moto. Dr. Garnel Michel souhaitait gagner une politique qui définit pour résoudre le problème insécurité routière dans le pays d'Haïti. Entendez-le dans Microtax 509. Pas quoi bon pays à travers le monde qui va gagner une motocyclette. Donc Haïti est toujours une motocyclette. Mais nous sommes capables de remarquer le phénomène de cette motocyclette-là a augmenté surtout après 2010. Si nous regardons les aspects socio-économiques qui ont fait ça, moi-même, je n'ai pas gagné une vraie réponse, mais moi-même, je dis, par exemple, de parler de transport, où est la route, où est la moune, et où est le véhicule. Là. Donc, motocyclette-là, par rapport à la route, moi, je pense que les créer comme une question sociale, il y a une question d'accessibilité. C'est-à-dire que nous voyons que la motocyclette vient plus rapide. D'ailleurs, le fait que par une route, la motocyclette lui-même est capable dans n'importe quel espace, c'est une raison. Dans la grande ville, par exemple, il y a un blocus. Tout le monde fait une émission là, au garde ou au en retard ou pour la motocyclette. Il est plus accessible en termes de coût, peut-être, comme si
conseil de gros trajet, et peut-être pas parler dans mi-temps votre prince comme si vous avez pensé camionnette Delma moins cher que motocyclette là, c'est vrai, mais m'a parlé surtout dans grand trajet, parce que motocyclette, c'est un phénomène qui est national en Haïti, c'est motocyclette là. L'on va passer sur toute route nationale, par exemple, sur route nationale numéro 1, l'on arrive à Plaisance par exemple, moun yo pas prendre machine encore, ou 4-5 moun, 6 moun, avec charge en main, charge sur motocyclette là, yo charge en motocyclette, y'a le pilote, y'a le limbé, y'a le pomago. Yo presque pas monter machine encore. Donc, il fait que yo partager quoi entre eux. Par rapport à la question socio-économique, c'est comment ça me t'a fait sous question et motocyclette. En plus que li bay yon aspect facile ou est que tout le monde quitte toute notre activité économique que t'a fait, notamment Haïti qui est un pays essentiellement agricole entre guillemets, j'en ai toujours dit, moun yo vend toute terre te gagne, toute bœuf te gagne, acheter motocyclette. Donc tout le monde vient dans activité motocyclette. Donc n'a parlé tout dans activité rentable en quelque sorte. Nous voilà conclusion qu'a montré c'est pas vrai, mais n'a parlé tout de activité que presque tout le monde est sous motocyclette, c'est moun qui a fait business. C'est rarement ou un journaliste sous motocyclette ou bien ou entreprise Zepol qui a gagné deux employés qui sont motocyclette. Même majorité moun qui a fait motocyclette dans la rue, c'est taxi qui a fait, c'est business qui a fait, c'est cop qui a fait. Là, on a parlé d'accident, on a parlé de magaï qui montel d'abord. Mais c'est pas que ça, quand de la route là, pas reconnaître motocyclette pour faire taxi. Donc ça, sont informations que m'ont été jointes. C'est-à-dire que c'est le premier élément. Deuxième élément, problème là vient invisible. Parce que pas d'accident qui a fait dans la salle côté là. C'est-à-dire, c'est comme si vous comprenez pas d'accident qui a fait. Donc, le fait qu'on pas un chiffre réel, yo, ou pas contre combien d'accident qui fait, nous pas même contre combien de motos qui gagnent dans le pays. Bon, il reste que ça. Nous pas contre combien d'haïtiens nous y est dans le pays. Parce que dernier recensement en fait en 2003. Nous pas contre combien d'accident qui fait, nous pas contre qui ça fait accident. Donc, il fait que, effectivement, il est plus difficile pour que nous capables de mesurer les conséquences. Mais si il y a un bagage qui fait Haïti pas qu'à développer rapidement, c'est le phénomène motocyclette. Moun qui sous motocyclette, que ce soit moun qui a conduit, que ce soit passager, nous d'accord, c'est moun qui en activité. C'est-à-dire que c'est moun qui travaille, son opportunité économique liée, c'est moun qui a pris soin de famille, c'est moun qui a payé l'école pour petit, c'est eux qui a utilisé moto. Si vous voyez que garde profil, moun qui dans la rue, qui sous motocyclette, c'est jeune femme, jeune garçon. En général, c'est moins de 50 ans, vraiment, qui sous motocyclette. Donc, c'est eux qui a fait accident. Donc, leur fait accident, n'a pas les deux moun. Tête crasée. On dit que par exemple l'hôpital, c'est trois l'hôpital en Haïti qui prend en charge un monde tête écrasée. N'a parlé de monde main cassée, pied cassé. C'est-à-dire que un monde qui tape travail sous motocyclette pour te prendre soin de famille, pour te faire petit de l'école, voilà que il fait accident, deux pieds cassés, deux mains cassées. Donc monde ça qui tape activité pour mener tout monde l'école, donc tout monde ça pas à l'école parce que comme ça va faire. Au contraire, moun sa k'tap rentré l'argent, il va le coucher l'hôpital, il va besoin plus comme que t'acheter motocyclette là pour prendre soin. Soubopal, PDG compagnie assurance Zepol Haïti, Marcelin Désir, promet pour faire formation pour chauffeur moto yo, dans l'idée pour diminuer quantité accident circulation qu'a fait dans pays ya. Zepol Haïti, c'est une compagnie qui là pour accompagner moun qu'a utilisé motocyclette dans pays ya, d'après madame Désir, qui profite lancer une campagne sensibilisation sous question ça sous thème accident moto, c'est goma l'épandier qui s'en a fait. Marcelin Désir, t'es parlé dans micro TAC 509. Zepol Haïti est une compagnie d'assurance dédiée aux chauffeurs de taxi moto et tous ceux qui utilisent ce moyen de transport. En plus de l'assurance, nous avons pour mission de former les chauffeurs et surtout sensibiliser les différents acteurs concernés afin de diminuer le taux d'accidents et les effets néfastes sur notre société. Depuis ces 20 dernières années, le taxi-moto connaît une croissance accrue et exponentielle qui n'est pas sans conséquences. Qui d'entre nous n'a jamais été témoin d'un accident de moto? Qui d'entre nous n'est pas affecté de près ou de loin par ce phénomène? Conscient de ce phénomène, nous mobilisons différents acteurs afin d'apporter des éléments de solution. Mesdames, mademoiselles et messieurs, et pour finir, m'a annoncé bandi Axam kidnappé journaliste Blondine Tanis vendredi 21 juillet devant la Kailina Delma. Eh bien, journaliste qui se présentatrice tribune matinale sur Radio Rénovation FM. Donc, ka kidnapping yo pas suspend augmenté dans pays chaque jour plus
et population en pas suspendre des autorités dégager au pressé pour résoudre problème insécurité.